Bonjour, cher abonné, bonjour. Je voudrais par ce canal souhaiter un très bon mois de jeûne à tous mes frères musulmans de la chaîne, à toutes mes soeurs musulmanes de la chaîne. En tout cas, que Allah vous fortifie comme on le dit, qu'il vous donne beaucoup de courage, qu'il vous donne en tout cas assez de force. Pour que ces 30 jours, vous les passiez en bonne condition. Voilà, je peux dire ça dans de très bonnes conditions. Il y a de cela quelques jours, ou bien une semaine, deux semaines, j'étais ici et je vous ai parlé d'Arafat et Ariel Sharon. Comparaison n'est pas raison, les amis. Comparaison n'est pas raison. Arafat a une fois de plus encore démontré qu'il contrôle le pays en Côte d'Ivoire. Arafat a démontré qu'il reste le seul et l'unique capitaine du Sénat. Oui. Moto est sorti. Démarrez. Moto, car tu gars. Jolie Amina, on dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagarre. Yeah. Des gens se plaignent, ils disent que non, Arafat fait du bruit, Arafat a encore fait sortir du bruit. Mais vous voulez que le type chante quoi? Il a chanté les bébés, Zrapoto, Pankata, quoi encore là même là, je sais plus trop, Bobolo. Et tenez-vous bien, ce Pankata dont je parle, il a été deux fois couramment avec Pankata. Deux fois couramment. C'était du bruit, mais il a été deux fois couramment. Le Bobolo, c'était du bruit. Bobolo, et ça, mon Bobolo. Mais il a eu MTV Award avec. Vous savez, chacun a son registre. Chacun a sa manière de faire la vie. Ce genre de coupé décalé qu'Arafat nous a fait sortir hier. En tout cas, en tant qu'Ivoirien, et tous les Ivoiriens peuvent continuer, il y a longtemps, le type nous a pas fait sortir un truc pareil. En tout cas, il a pris son temps. Mais c'est bon les amis, c'est bon. Apparemment, il est en train de battre les records. Mais il a fait 80 000 vues en moins de 10 mois de temps. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit là? En moins de 30 minutes, je pense bien, voilà, en moins de 30 minutes. Motomoto et Amina sont deux univers différents de vous. Comme vous écoutez, je dis Amina, ouais. Là, on ne te demande pas de venir dans ce dossier. Tu sais que la chanson est faite, je sais pas comment on dit, mais la chanson est plus calme, dans un style genre afro, pop, voilà. Mais en ce qui concerne le coupé décalé, ce que nous on a créé chez nous ici là, ouais, Yoro nous a fait revenir ça hier. Comparaison n'est pas raison. Chené est fort, Safarel est fort. Oui, ils sont forts, mais Arafat reste le chef de maître incontesté de l'Italie. Laissons nos considérations, laissons nos préjugés moraux de côté et reconnaissons, s'il vous plaît. Je ne suis pas fan de quelqu'un, la dernière fois je vous l'ai dit ici. Je ne suis fan d'aucun artiste, je suis fan de la musique en général, ici en Côte d'Ivoire. Laissons toutes nos considérations de côté et rendons à César ce qui appartient à César. Reconnaissons qu'Arafat fait du coupé décalé, fait de la musique. Il a ça dans son ADN. C'est vrai, il ne chante pas pour faire plaisir au reggae man, il ne chante pas pour faire plaisir aux gens qui aiment la pro-trap, mais il chante. Il fait du bruit, il nous fait danser. Voilà, si vous voulez ça pour ça. Arafat fait du bruit pour nous faire danser. Et je sais que vous allez vous cacher dans vos salons pour danser moto-moto. Oui, vous parlez, mais vous allez vous cacher dans vos salons pour danser moto-moto. Comme vous avez parlé sur Pankata. Comme par le passé, vous avez eu à parler sur
Allez tapidez-nous. Tapi, tapidez-le. Allez tapidez-le. Vous vous rappelez très bien. On ne l'aime pas, mais on danse sur ses seins. Je ne comprends pas. Vous voyez, on tue le mouvement. Ça, c'est à mes frères ivoiriens que je parle. Ceux qui sont toujours là à comparer les artistes, et puis souvent même des artistes qui ne sont pas de la même génération, on tue le mouvement. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Certes, il faut qu'il y ait de la concurrence, mais pas de la comparaison. La comparaison amène la division. La comparaison amène la division. Apprécions-les à leur juste valeur. C'est ce que nous devons faire, frère. Apprécions-les à leur juste valeur. Chéné a fait aussi la battue de corps. Il a battu le corps, lui. Et Arafat, hier, ses femmes n'ont pas dormi. Hein. Hier, je pense bien aux environs de 1h, 2h du matin. En moins de 3h, en moins de 6h de sortie, les gars étaient déjà à 400 000 vues. Ce matin, je n'ai pas encore vérifié parce que je ne vais pas vérifier, il a voulu faire ma vidéo d'abord. Donc, sur ce, restons focus sur la musique en général. Aidons nos artistes à avancer. Chéné fait bien, on le focus. Debordo fait bien, on le focus. Ils font mal, on les critique. Mais quand c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Le coupé décalé a été toujours du Mathieu du. C'est comme ça le coupé décalé est. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça n'a pas de fait. Coupé décalé. Moto, moto. Allez déguster. Allez déguster, vous verrez. Déguster aussi Amina. Et vous verrez la différence. C'est un peu ça. Donc, si ce, chers frères, surtout mes frères de demain, votre bonne journée et bon mois de carême, comme je l'ai dit aujourd'hui, mon bon mois de carême, que Dieu vous fortifie. Et à tantôt pour une nouvelle vidéo, lorsqu'il va battre le record, bye.